C'est égalité parfaite sur les deux matchs. Alors est-ce que le plus petit peut faire chuter le favori? Sachant que Mozambique est de moins en moins facile à négocier. Ils ont beaucoup progressé depuis 2008, on va dire. Ils ont construit un programme qui les a amenés à la CAN 2010. Ah, ils n'étaient pas là en 2012, mais ils ont continué à bien travailler. C'est l'Arabie, un petit peu de sombre. Voilà. Bagnic. Ah oui. Deuxième poteau. Oh,